C'est l'événement de cette rentrée littéraire, le premier roman du Marseillais Youssef Salem. Youssef Salem, c'est moi, c'est de l'autobiographie. Non, je vous arrête, j'ai absolument tout inventé. J'ai vraiment pas envie que les gens confondent et qu'ils s'imaginent que c'est l'histoire de ma famille. Oh, mais... Papa, change, regarde. Youssef, c'est pas toi dans la télé, là ? Pousse-toi. Si mon père lit ce livre, on le tue. Qui organise sa vie en fonction de son père à 45 ans ? Ben moi. Tu sais quoi ? Allez, tournée générale pour tout le monde. Je croyais que vous étiez fauché. Non mais j'ai une ardoise ici. Puis demain je vois mes parents, donc je me bourre la gueule. Vous savez ce que disait Philippe Roth à propos de la famille ? Il citait cet écrivain qui disait « Quand un écrivain naît dans une famille, la famille est foutue. » Foutue. Je voulais bien me faire une avance pour le TGV et tout ça, et puis c'est l'anniversaire de ma mère. Le monde de l'édition, c'est la catastrophe, je peux pas. Je peux éventuellement vous faire des avances, mais pas une. Je comprends pas, vous pouvez me faire plusieurs avances ? C'était une blague. Maintenant, on va se tutoyer. Oh oui. Youssef Salem. Oh, Youssef ! Tu es officiellement sur la shortlist du concours. Je vais te présenter tout le monde, tu bois pas. S'il y a un jour où il faut pas que tu boives, c'est aujourd'hui, c'est ce soir. Ok. Ils vont te scruter. Ils vont filmer avec leur téléphone portable. C'est pas le moment de dire des conneries. C'est pas le moment d'en faire. Allez, c'est le dernier. Oh, je l'aime, il est génial. Maman, papa, j'ai quelque chose à vous dire. Je suis grand-père ? Non, maman. Ah. Mon livre a été publié. Vas-y. Ah. Qu'as-tu pensé ton éditrice en voyant toutes les fautes que tu n'as pas manqué de commettre ? Je sais, j'ai complètement oublié de te le faire relire. Ça te rendrait malade de voir toutes les fautes que j'ai laissées dedans. S'il te plaît, ne le lis pas, même s'il est présélectionné pour le Goncourt. Le prix Goncourt ? Oui. Le Goncourt ? Oui, va... C'est bien la France, l'alhamdoulilah. On l'a lu. Quoi, de quoi ? Comment t'as pu écrire un torchon pareil ? Mais c'est une fiction, c'est un roman. C'est pas le moment où il dit ça, c'est que c'est un massacre, ça. Déjà que tu te fous de la gueule de mon surpoids, j'ai rien dit. J'ai jamais couché avec des travestis du sexe. J'ai été transformé en PD. Mais en fait, t'es lesbophobe, c'est ça ? C'est pas toi. C'est pas moi, c'est qui alors ? Excusez-moi, pardon, juste. Moi, je suis même pas dans le livre en fait. Qu'est-ce que tu fais là ? T'es en train de prendre des notes, tu sais. Non, mais non. Là, il est en train de prendre des notes. Mais non, je prends pas des notes. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu recommences ? T'as écrit grosso islamophobie, encore les gros ? Ouais, encore les gros ?